Le concept de gouvernance est aujourd'hui utilisé comme un leitmotiv par les dirigeants de nos sociétés, surtout ceux d'Afrique subsaharienne. Le fossé entre les richesses que possèdent nos pays et la précarité dans laquelle vivent ces populations laisse connoter un réel souci de bonne gestion, d'où cette nouvelle donne de la gouvernance. Trésor Pabumbaki, un jeune analyste politique, donne sa vision de la gouvernance. La gouvernance politique, entendant par là, est un ensemble des mécanismes, notamment des lois, réformes, conventions qui régissent dans la coordination afin de pouvoir mieux gérer une nation. Il faut comprendre que la gouvernance politique, dans son ensemble, englobe toute forme de gouvernance, notamment la gouvernance économique, la gouvernance des politiques publiques, la gouvernance sociale et un peu de tout. Mais par contre, dans notre pays, il est très difficile de faire le distinguo, notamment parce que nous avons bon nombre de leaders politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, qui, dans leur engagement politique, n'arrivent pas à mettre l'accent sur la gouvernance économique, qui, à mon sens, est la pierre angulaire pour effectivement faire fonctionner une nation comme la nôtre. Concrètement, ce qu'il faut faire dans notre pays pour que l'on puisse parler de gouvernance politique, il faut déjà partir du principe du respect des règles établies, notamment notre Constitution et toutes les autres lois qui viennent renforcer cette loi fondamentale afin que notre fonctionnement en tant qu'État et en tant que société soit bien assuré. Les dirigeants des pays africains auraient tout à gagner en intégrant cette nouvelle donne dans leur agir politique.